coachés, ça se passe très bien. Il y a une bonne approche, ils m'ont bien accueilli. Et après, niveau football, ça va. Il y a une très très bonne équipe. Et voilà, pour l'instant, ça fait une semaine que je suis là, donc il faut encore que j'apprenne à bien les connaître le football. Mais non, ça a l'air d'aller. Quelles sont les différences entre l'entraînement dans un club semi-professionnel et dans un club professionnel? Les différences, oui. Il y en a quelques-unes, mais après, c'est... Comment t'expliquer? C'est plus dur, bien sûr, à Strasbourg ou... Plus dur, oui, parce que c'est des joueurs professionnels. C'est des joueurs voilà, qui jouent en Ligue 1 et qui ont eu une formation, qui ont eu plein de choses. Après, voilà, à Dudelange, c'est de bons joueurs qui vont jouer l'Europa League. Donc, c'est quand même de bons joueurs et de très bons joueurs. Quels sont les éléments clés qui t'ont poussé à accepter l'offre de Dudelange? Serais-tu venu même sans l'Europa League? Le challenge, oui, je pense que je serais venu même sans l'Europa League. C'était le challenge. J'avais discuté avec donc les dirigeants. Et ça se passe, voilà, le projet m'a vraiment plu. Et après, le petit plus Europa League, bien sûr, c'était quelque chose en plus qui m'a fait vraiment dire oui. Parce que voilà, mais sinon, s'il n'y avait pas eu l'Europa League, j'aurais quand même dit oui parce qu'il y a un projet. Et je pense que le club de Dudelange veut encore progresser pour vraiment atteindre un très très bon niveau. Quels sont les objectifs individuels et d'équipe cette saison? Alors, mon objectif individuel, c'est d'être très très performant quand je vais jouer. D'être le meilleur, je veux toujours être le meilleur sur le terrain. Voilà, ça c'est. Et après, niveau équipe, voilà, de gagner ce championnat luxembourgeois et d'aller le plus loin possible, on va dire, en Europa League. Si tu pourrais choisir deuxième tour en Europa League, qualification pour le deuxième tour, ou champion de Luxembourg, qu'est-ce que choisirais-tu? Qu'est-ce que je choisis? Moi je suis gourmand, moi je veux les deux. Moi je veux les deux, je veux pas. Après le championnat Luxembourg, je sais que c'est très important pour le club. Parce que si on finit pas premier, il n'y a pas d'Europa League. Donc il n'y a pas de qualification pour l'Europa League. Donc c'est très, très important le championnat. Maintenant l'Europa League, voilà, c'est un tournoi européen et il faut qu'on fasse bonne figure devant l'Europe. Oui. On va tout faire pour aller le plus loin possible. Après, on sait, on est tombé dans un groupe très, très très dur où il y a le Milan AC, le Betis Séville et l'Olympiakos. Ce sont de très grosses écuries européennes. Donc ça va être très dur. Mais voilà, nous, on va donner le tout pour le tout pour aller le plus loin possible. Quand toi, tu es allé en Italie, en 2001, je pense, Milan, c'était une équipe, une sacrée d'équipe. Après, ils ont connu des années un peu difficiles. En ce moment, il y a beaucoup de stars qui sont revenus au club. Que penses-tu de l'équipe actuelle du Milan et quel joueur as-tu hâte d'affronter sur le terrain? Non, le Milan, comme tu l'as dit, c'était une très très grande équipe. Après, il y a eu plein de petits problèmes et même je pense que le championnat italien avait beaucoup baissé. Maintenant, je pense que le championnat est redevenu un très très bon championnat. Pourquoi? Et le Milan est en train de redevenir le Milan que c'était. Parce qu'avant, ouais, c'est vrai que le Milan a eu 5-6 années où c'était compliqué. Et voilà, et ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait la Champions League. Et je pense qu'ils aimeraient la refaire. Mais voilà, ça va petit à petit, je pense qu'ils vont y arriver. Parce que c'est et ça restera une grande, grande équipe européenne. Non. Moi, je joue contre Pater. Tout le monde. Ça, l'équipe qui sera là, si je dois jouer, je jouerai. Il faudra faire un résultat. Qui est Higuain, pas Higuain, enfin on verra. As-tu déjà dans ta tête quelqu'un avec qui tu veux échanger le maillot, Milan? Non, pas spécialement. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui échange les maillots. Je, voilà, je,
Je laisse ça à d'autres personnes. Et maintenant, passons dans ta carrière un peu personnelle. Comment gères-tu la concurrence avec d'autres gardiens? Parce que beaucoup de fois, tu étais premier gardien dans une équipe, parfois tu étais deuxième gardien. Comment gères-tu la pression si tu es gardien numéro 1 et la désillusion si tu es sur le banc? À force, avec le temps, on la gère différemment. C'est vrai qu'au tout début de ma carrière, on est frustré et on ne fait pas toujours les meilleures choses. Maintenant, avec le recul et avec ma carrière qui est plus derrière que devant, avec l'expérience, on le vit différemment et on se comporte différemment. Voilà, quand on est premier gardien, on essaie de tout faire pour y rester. Ce qui est plus dur, parce que tu as les autres derrière qui poussent et donc qui veulent ta place, et c'est compliqué. Et quand on est deuxième gardien, on fait tout pour gratter le numéro 1. Et voilà, c'est... Dans un sens, c'est un peu le travail qui fait que soit on reste, soit on y arrive. Est-ce que l'amitié entre gardiens d'une même équipe, ça existe? Oui, ça peut. Oui, ça existe. Ça peut exister. Après, il y a beaucoup. J'ai connu beaucoup de gardiens où c'était compliqué. Il y a tellement de. Par exemple, qui? Dans les clubs où je suis passé auparavant, c'était. Moi personnellement, ça a été. J'ai pas eu trop de gardiens avec qui je me suis pas entendu. Mais sinon, c'est tellement un poste à part où il n'y a qu'une place pour trois que des fois, ça clash un peu avec entre gardiens. Mais bon, c'est rien de méchant. Quel souvenir as-tu de la Juve et de Gigi Buffon? Je pense que tu as même joué avec Chimenti, non? Buffon. Il était comment comme mec, un genre de mec, Buffon? Buffon, c'était quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un de très simple, très travailleur sur le terrain. C'est quelqu'un qui bosse et de très, 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 très fort. Après, en dehors du terrain, c'est quelqu'un de très simple qui aime s'amuser, bon vivre, bien rigoler avec les autres, faire des petites farces, machin. C'est quelqu'un de très... Très sympa en tout cas, avec qui je me suis bien entendu et avec qui je regrette pas du tout d'avoir été. Et si tu penses à la Juve, c'est un rêve, t'es fier ou t'as quand même un petit regret? Ça aurait bien peut-être de jouer quelques matchs officiels. Ouais, on a toujours envie de jouer des matchs officiels avec un grand club. Après, ça reste une fierté pour moi d'avoir joué à la Juve parce que c'est la Juve et une très grande équipe européenne. Et à l'époque, il y avait déjà ce grand gardien-là, donc presque impossible de jouer. Mais j'ai appris énormément à côté légende. De cette légende. Ouais. Le fait qu'il soit allé à Paris, c'est surprenant pour toi ou c'est quand même un transfert qui... Oh, surprenant, je sais pas, je peux pas dire que c'est surprenant. Après, il avait dit qu'il mettrait terme à sa carrière après le championnat. Peut-être que Paris l'a appelé, lui ont proposé un projet qui lui convenait bien. Donc il a décidé de continuer. Je lui souhaite que le meilleur maintenant pour lui à Paris, parce qu'il le mérite. Et même s'il va jouer de temps en temps ou pas, comme là j'ai vu qu'il avait joué au début, là maintenant c'est Areola qui joue. Il va sûrement aider Areola à passer un palier. C'est très bien pour Areola. J'ai encore des petites questions. Où tu dois choisir ou répondre par oui ou non. Barthes ou Loris, qui est plus fort? Barthes. Thuram ou Pavard? Thuram. Varane ou Blanc, Laurent Blanc? Non, Laurent Blanc. Mbappé ou Joker? Griezmann, Zidane? Giroud, Guy Varch? C'est un peu pareil le cas. Hein. C'est pareil, c'est des joueurs qui se donnent pour l'équipe. Et sans eux, je pense que sans Giroud, on n'aurait pas été champion du monde. Ah bon. Je pense que sans Vivarche à l'époque, pareil. C'est des mecs qui se mettent pour le collectif. Donc, qui choisis-tu? Petit ou Pogba? C'est difficile.
différent. Un peu explosif, tous les deux. Pogba. Aimé Jacquet ou Didier Deschamps? Joker. Non, les deux sont de très très bons joueurs. Dans ton cœur, France 98 ou France 2018? Ben, moi, c'était une première en 98, donc je dis 98. Pourquoi? Parce que c'était la première et... As-tu des souvenirs de cette Coupe du Monde? C'est ceux qui m'ont fait rêver. As-tu des souvenirs de cette Coupe du Monde? Un match ou un gardien? Moi, c'était... Bien sûr que j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs de Barthez en finale de Coupe du Monde, enfin, en finale contre Ronaldo. J'ai les deux buts de Lyon-Thuram en demi-finale. Non, moi, à l'époque, j'avais 14 ans. Donc je me souviens très bien de 98 et c'était magnifique. Il y avait un gardien qui n'était pas français, mais qui a inspiré beaucoup, beaucoup de jeunes gardiens français à l'époque. Il a joué contre la France avec le Paraguay, Chilavert. Tu te souviens, lui? Bien sûr. À l'époque, on disait que c'était le meilleur gardien au monde. Il avait fait une belle Coupe du Monde. Après, je pense que Barthez était vraiment au-dessus. Et le joueur le plus fort avec qui tu as joué? Il y en a plein. Mais un qui vraiment... Un qui m'avait vraiment surpris, c'était Edgar Davids. À la Juve, hein? À la Juve. L'adversaire, bon, l'attaquant le plus fort. L'attaquant le plus fort, il était avec moi. C'était très aigué. La France sortira-t-elle au premier tour en Coupe du Monde 2002, vu que les champions du monde? Oui ou non? Non. Parce qu'il y a une génération qui est très très forte. Mieux une grande carrière en Ligue A ou une bonne carrière en Serie A, Première Ligue, Ligue A? Bon, c'est kiff-kiff, c'est pareil.